Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo 13 signes que vous allez avoir du succès mais que vous ne le savez pas encore. Donc on va commencer tout de suite parce que cette vidéo risque d'être un peu longue pour que je m'explique sur chaque point. Alors le premier signe, c'est que vous reconnaissez que vous êtes à 100% responsable de votre vie. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a une phrase qui dit « On devient adulte réellement quand on comprend, quand on assume qu'on est à 100% responsable de sa vie. » Donc, c'est tout à fait le cas en fait, et surtout quand on veut entreprendre. Parce que la plupart du temps, on dit « C'est pas moi, c'est de ma faute, c'est de la faute de la société, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de n'importe qui sauf de soi-même. » On a du mal à reconnaître que si on n'y arrive pas, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Donc là, si on n'a pas de résultat, c'est qu'on n'a pas fait les choses comme il faut et comment rectifier les choses. Donc si déjà vous avez cette mentalité de « je suis responsable à 100% quasiment de ma vie », eh bien dans ces cas-là, c'est déjà un signe. Deuxième chose, c'est que vous avez compris que l'échec, ce n'était pas si grave que ça. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on est beaucoup pointé du doigt si on n'y arrive pas. Je sais pas, que ce soit dès l'enfance, si on redouble, on voit ça comme un véritable échec. Si on a juste une mauvaise note, si on trouve pas de travail, plein de choses. Si on essaye un projet et ça ne marche pas. Et aux États-Unis, ils disent, ce n'est pas un échec, c'est de l'expérience. Donc, si vous avez compris que échouer, ce n'était pas grave, c'est juste une façon d'apprendre de vos erreurs, de ne plus recommencer et d'être encore meilleur, là aussi, vous avez un signe qui prouve que vous allez avoir du succès, parce que au niveau de votre mental, vous dites, ok, au moins, je vais essayer de faire des choses. Et c'est en passant comme ça à l'action, en faisant vraiment des choses et ne pas rester dans la théorie, que vous allez avancer. Troisièmement, vous avez compris la différence entre être productif ou juste travailler tout court. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont travailler énormément sans avoir de résultats. Je parle même au bout de, pas forcément dès le début c'est normal, mais si au bout de, je sais pas, 3 ans, vous travaillez comme un malade et que vous n'avez aucun résultat, c'est peut-être que vous n'êtes pas productif. Mais si vous travaillez peu et que vous avez beaucoup de résultats, vous avez compris en gros cette loi de Pareto 20-80, travaillez 20% du temps pour avoir 80% des résultats. Vous focalisez seulement sur ce qui vous rapporte des choses, du succès, sur ce que vous voulez, sur 80% de ce que vous voulez. Donc par exemple, il faut arrêter de trop poster sur les réseaux sociaux si ça ne vous apporte pas les 80% de résultats. Il faut vous concentrer sur les 20% comme publier des vidéos YouTube, créer des formations, créer des articles en affiliation. Et c'est ça en fait qui va vous amener 80% de résultats. Par contre, il y a 80% des choses qui vont ne pas vous apporter de résultats. Donc essayez d'éliminer ces choses-là et vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup de productivité, beaucoup de gains sur le long terme et beaucoup d'énergie également. Quatrièmement, c'est que le regard des autres ne vous atteint plus. En fait, si quelqu'un vous dit « c'est nul ce que tu fais, t'es vraiment un arnaqueur, t'es nul, t'es pas compétent, ça marchera jamais ton truc », bah en fait, vous vous en foutez. Maintenant, vous êtes passé à un stade où vous vous en foutez complètement. Et en fait, le regard des autres, c'est ce qui bloque énormément les entrepreneurs à réussir. Ils osent pas en fait, ils n'osent pas parce qu'ils disent « qu'est-ce que vont penser mes amis ? Qu'est-ce que va penser mon patron ?» Ils n'osent pas. Et du coup, bah, au final, ça fait que c'est le plus grand regret à la fin d'une vie d'une personne. Donc vous, vous dites « ok, bah, si ça leur plaît pas, tant mieux, c'est que je dois le faire. » Ok ? Donc ça aussi, c'est un excellent signe. Cinquièmement, et ça peut paraître simple, ça peut paraître basique, et pourtant beaucoup ne comprennent pas, c'est que vous avez compris que la réussite, c'est tout simplement une question de persévérance. De persévérance, il faut travailler au minimum 6 mois de façon acharnée pour commencer à avoir des premiers résultats. Je parle en termes de questions de monter une société rentable, une entreprise rentable, pas forcément des petites actions. Donc vous avez compris ça en fait, vous avez compris que vous ne pouvez pas avoir tout du jour au lendemain, vous ne pouvez pas avoir une formation miracle et en une semaine avoir déjà énormément de résultats, non. C'est ce qu'on appelle un back-end, derrière il y a énormément de choses à mettre en place et vous ne pouvez pas, hop, en claquant des doigts, avoir tout du jour au lendemain, c'est impossible. Donc vous avez compris que quoi qu'il arrive, si vous arrivez à persévérer, moi je dis que, je remarque en tout cas, les personnes qui bossent pour leur business pendant 3 ans au minimum, c'est mathématique, ils y arrivent.
Et je connais des personnes qui ont essayé de faire la même chose que moi, mais ils disent c'est bien sympa ton truc, je vais faire pareil. Ils vont poster 3, 4, 5 vidéos, ils vont s'arrêter là, ils vont dire ça marche pas ton truc, c'est de la merde, je vais retourner travailler. Mais non, c'est une attitude de loser ça, ou alors c'est pas pour eux. Mais si tu es persévérant, tu finiras toujours par y arriver. Et ça, si tu l'as compris, tu vas forcément y arriver. Sixième chose, c'est que vous avez compris que tout impacte tout. C'est-à-dire que si vous mangez pas sainement, ça va impacter votre énergie qui va impacter votre business. Si vous fréquentez des personnes négatives qui ne pensent qu'à pas forcément des choses extrêmes, genre se bourrer la gueule tout le temps, mais si ce sont des personnes négatives que vous voyez assez régulièrement, ça va impacter pareil votre business, ça va impacter votre santé, votre énergie, etc. Si vous avez compris que, par exemple, fréquenter des personnes qui ont déjà les résultats que vous voulez, ça va impacter votre mental, ça va impacter votre business, ça va impacter votre bonheur, etc., etc. Tout impacte tout. Donc l'environnement, ce que vous faites, ce que vous pensez, les gens que vous fréquentez, impacte véritablement la personne que vous êtes et votre succès futur. Septièmement, vous avez compris que pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. J'aime bien donner cet exemple, c'est Arnold Schwarzenegger. Il a voulu être dans la musculation, il a voulu être dans la politique, il a voulu être acteur, il a voulu être gouverneur. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait s'entourer des meilleurs pour accroître rapidement et réussir rapidement. Donc, faites la même chose, essayez de fréquenter les meilleurs. Alors, on peut pas forcément être pote avec tous ceux qui sont au-dessus de nous, mais parfois, ils sont un peu plus accessibles qu'on ne le pense. Donc, essayez quand même, ou du moins, suivez leur contenu. Essayez d'écouter assez régulièrement ce qu'ils ont à vous transmettre, parce que leur façon de penser peut grandement vous aider. Huitièmement, vous avez ce petit côté où vous ne cherchez plus juste à regarder quelque chose qui vous a plu. Maintenant, vous vous demandez, ok, pourquoi ça m'a plu? Pourquoi ce titre m'a fait cliquer? Pourquoi cette pub m'a donné envie d'aller plus loin? Pourquoi ce film m'a donné autant d'émotions? En fait, vous ne devenez plus simplement consommateur, mais vous devenez quand même quelqu'un qui analyse pourquoi les choses marchent et vous essayez de reproduire les choses dans votre business. Ça aussi, c'est un signe que je remarque assez souvent, c'est marrant. Quelqu'un va recevoir une bonne pub, il va pas se contenter de dire « Ok, c'est sympa, c'est cool ». Il va se dire « Ok, comment il a construit son truc? Comment je pourrais faire pareil dans mon business ?» Neuvième tips, c'est que vous savez demander de l'aide. Si vous n'arriverez pas à faire quelque chose, vous allez demander à quelqu'un qui est compétent pour vous aider. Parce qu'au début, on se dit non, moi je veux réussir tout seul, je vais y arriver, j'ai pas besoin des autres. Puis en fait, tout ça, c'est de l'ego en fait. On se dit je vais y arriver tout seul parce que je sais le faire et tout. Mais non, en fait, vous avez compris qu'on peut pas forcément y arriver tout seul. Quand vous avez quelques problèmes, soit vous allez acheter une formation pour résoudre ce problème, soit vous allez demander à quelqu'un. Ou soit vous allez faire des recherches sur internet pour résoudre ce problème, parce que de vous-même, vous ne pouvez pas forcément y arriver. Dixièmement, vous savez visualiser votre réussite. Vous avez compris que vous devez savoir ce que vous attendez vraiment de la vie, du succès, votre vision des choses en fait. Et certains parfois juste le pensent et c'est déjà bien, mais certains aussi font un tableau de visualisation, donc avec cette loi de l'attraction pour attirer ce qu'on veut. Mais en fait, c'est juste, c'est pas tellement de la magie, c'est juste pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie? Parce que 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Ils savent planifier leur week-end, mais ils ne savent pas comment planifier leur vie pour atteindre leurs objectifs. Ils ne savent pas en fait pourquoi ils sont là, alors qu'on peut très bien savoir pourquoi on est là, faire de belles choses, il faut juste savoir pourquoi. Onzième tip, ce qui rejoint un petit peu celui d'avant, c'est que vous avez un pourquoi fort. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Et je remarque que parfois on se dit « Ok, bah moi en fait, je veux faire ça pour l'argent, faire ça pour avoir une belle villa. » Mais quand on creuse bien, le vrai pourquoi est toujours lié à l'amour. C'est on fait ça parce que on veut mettre en sécurité notre famille, on veut que une personne qu'on aime soit fière de nous, on veut que nos futurs enfants aient une belle vie. C'est toujours lié à l'amour. C'est toujours l'amour qui est un véritable moteur, c'est toujours l'amour qui est derrière le véritable pourquoi on fait les choses. Et parfois même, certains viennent d'une famille qui était assez pauvre. J'ai plein d'exemples en tête, comme Max Piccinini. Il s'est dit, ok, ben moi plus tard, je veux honorer tout ça, je veux une vie vraiment qui vaut la peine d'être vécue, et je vais tout faire pour avoir une belle vie, avoir ma famille qui soit épanouie sur ce point-là et réussir mon business.
Deuxième chose assez drôle, vous êtes positif et vous ne vous énervez plus aussi facilement. Si quelque chose ne marche pas, vous dites « tant pis, c'est le destin ». Et vous ne vous énervez plus non plus sur les choses dont vous n'avez pas le contrôle. Parce que parfois on peut passer deux jours à ronchonner parce que il s'est passé quelque chose. Et en fait, vous pouvez rien y faire en fait, c'est pas grave. C'est comme ça, ça devait se passer comme ça. Et demandez-vous, est-ce que dans 5 ans j'y penserai encore? Sinon, ça sert à rien d'y penser, c'est pas grave. Vous perdez de l'énergie pour rien, je dis tout impacte tout, bah là c'est la même chose. Je me souviens en fait, j'ai vu cette mentalité avec un entrepreneur qui s'était fait cambrioler ses bureaux, on lui avait volé donc ses ordinateurs et tout, et il disait mince, le cambrioleur n'a même pas volé mon livre que j'ai écrit, je suis déçue. Et je dis mais comment tu peux être aussi positif, comment tu peux prendre ça avec le sourire? Et il dit bah j'ai appris que ça ne sert à rien d'être en colère pour les choses que je ne contrôle pas. Donc effectivement, c'était fait, c'est fait, on ne pouvait plus contrôler ça, et tant pis, c'est que ça devait se passer comme ça. Il nous arrive des bricoles ainsi dans la vie, ça ne sert à rien de nous énerver, c'est fait, on ne peut pas contrôler les choses, donc hop, on passe à autre chose. Treizièmement, et le dernier, c'est que chaque jour, vous êtes meilleur que la veille. Chaque jour, vous essayez d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses, de nouvelles lectures, de nouvelles vidéos, de nouvelles formations. Bref, vous êtes toujours meilleur que la veille. Et à chaque fois, ainsi ça va faire un effet cumulé, vous allez devenir meilleur et vous allez finir par connaître le succès. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous êtes reconnu dans ce petit test, on peut dire ça que c'est un petit test, et que ça va vous rassurer sur votre façon de penser pour réussir. Tout ça en fait, ça peut paraître simple ce que j'ai dit, mais la plupart des gens, je vous assure qu'ils ne pensent pas comme ça. Donc si vous pensez comme ça, eh bien c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous encourage à continuer. Voilà, si vous avez d'autres tips, mettez-les juste en dessous en commentaire, ça me ferait super plaisir, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.